Voilà, de retour sur ce beau plateau de l'émission Temps Précieux. Vraiment, je suis avec moi le frère Exaucé Kafouti. Bonjour papa Exaucé. Bonjour papa Henri. Bonne santé. Oh, par la grâce de Dieu, ça va. Je ça pense va. Que quand j'ai annoncé la chanson, Badnos Nandak Babi, frère Wakenawa, puis donc, tout vivrai et moi Kala. Mais moi, je pense que ce n'est pas Kala, mais il est là. Mais il est plus dans le domaine d'accompagnement, mais pas d'abord la carrière solo. Avant d'aller plus loin, Boni Maramnios. Oui, par la grâce de Dieu, ça va, la vie, ça va. Zambosunga. Zambosunga. Trop de voyages, trop de déplacements. Ouais, un peu. Bon, Zambega. Il est certainement que Tozo et maman Mingi, bon, Tozo accompagné par papa Michel, mais aussi nous-mêmes, par la grâce de Dieu, il y a certaines invitations de par-ci, par-là, d'autres par-là. Très bien. Ça fait longtemps, on a un mal, j'espère que. Les frères exaucés de l'année 2012, 2013, 2015, c'est différemment avec les frères exaucés de l'année 2023. Oui. Et s'il faut parler en termes de l'évolution, quant à vous, quelle est la différence que vous avez sentie entre les frères exaucés de Naoumou Nabola Mwanzambe et les frères exaucés de Kolo Yesu? Bon, j'aimerais dire toujours avec Dieu, on ne reste pas sur place. Très bien. Ce que j'aime de Dieu est que Dieu te prend quelque part et il t'attend aussi quelque part. Mais il y a un chemin qu'il a prévu pour toi. Il nous a dit qu'il y a un chemin qui peut-être dans la gare centrale. Il y a un chemin qui est dans la commune. Je me redire juste que je ne suis pas encore arrivé, mais il y a vraiment une grande différence des années passées et surtout beaucoup plus dans l'année. L'exaucé en Koloye, c'était un exaucé où il dormait à l'église, exaucé de Nakomona plutôt Bola Manzambe. Il dormait à l'église, il était dans la permanence. Et exaucé, il parcourait des moments difficiles. Et il est vrai qu'on doit vraiment témoigner de foi la grandeur de Dieu dans chaque étape. Bola Manzambe évolue quand Bola Manzambe tika la isika morote. Je me réjouis dire que on a vécu avec Dieu dans le passé, il a été présent. Donc, c'est-à-dire, Nabatana, il m'a aidé. Il s'est fait que Nabiman a mis son bateau. Par le reste de Dieu, je suis sûr que vous avez vu même dans vos maisons. Et après, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce après beaucoup d'années. Bon, il y a un moment donné que je me disais, Nazelana, nous, il y a un moment donné, on me disait, non, tu dois aller. Parce que moi, j'aime être convaincu. J'aime être sûr de la chose que je suis en train de faire. Maintenant, je peux dire, je marchais avec Dieu, j'ai entendu Dieu et Dieu m'a parlé. Et j'avais juste l'assurance, même au moment où je parcourais dans des moments difficiles, mais ce que j'aimais beaucoup plus, c'était la voix de Dieu qui me parlait quand il n'y avait personne autour de moi. Et c'est ce qui me rassurait que non, je suis dans la bonne voie. Jour pour jour, il y a même l'évolution qui se voit. Nous sommes le Belapna, notre frère exaucé, Otoyeba, Eza, Otomoni, Lelodi. Mais il y a aussi des gens qui traversent des moments comme vous, dans la faiblesse, dans le moment difficile, dans les cas, Eza, la réalité, on va vivre les lots. On peut dire aujourd'hui qu'Eza rencontre Moro, Ndesalio Bongo, soit quand tu vivais personnellement, tu savais déjà qu'il y a des promesses de Dieu ou qu'un jour ça va se réaliser. Bon, comme tout le monde, il y a généralement des gens qui parlent que hasard n'est pas un Nzambe Zarate. Amen. C'est pas que quelque chose d'hasard. Il savait que Nzambe a profité de la vie. Ah, on dirait donc qu'il a profité de Pekana. Dieu prévoit tout. Et beaucoup plus, ils ont rendu objectif. Nzambe a sati et l'eau mort en destin. La bénédiction aussi, c'est la capacité que Dieu donne de réussir sa destinée. La bénédiction réussir la destinée nabaron, parce que la bénédiction en termes général beaucoup plus que moi j'ai appris, c'est la capacité que Dieu donne ou la facilité de réussir dans sa destinée. Nzambarosa na destinée na apesio kombo munene apesio, comme il a parlé à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et mais dans toutes ces choses là que Abraham a vécu. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Ce n'était pas hasard que Nzamba, Monika, Mbamo, non, ou soit Mbamo, on a profité, non.
Mais tout a été un plan divin. Moi, j'aimerais dire juste que ce que j'ai vécu, c'était un plan de Dieu. Très bien. Vous savez, même Joseph, à un moment donné, quand il était chez Jacob, c'est pendant qu'il vivait avec Jacob, son père lui montrait vraiment totalement son amour. Et je crois que les gens pouvaient dire que Ndeza et Sukiwana Ponaye. Mais il y a un moment donné, dans le chemin ou dans le parcours de la destinée, Dieu permet à ce que tu quittes dans le confort, que tu perds un certain confort pour qu'il te fasse entrer dans son école. Et puis dans son école-là, tu vas alors vivre le confort qu'il a prévu pour toi. Parfois, nous sommes attachés au confort qui sont juste de nos parents ou soit qui le confort partiel. Les amours de confort, les amours qui par rapport à destinée. Ce n'est pas l'habit de plusieurs couleurs, ce n'est pas l'amour de son père qui pouvait le rendre ministre, mais juste que c'était le parcours qu'il a pris, qu'il a ou soit apprêté. Alors, même le Jean, le jour de son avenir, quand on entendait Jean-Baptiste parler, planisser, arranger le chemin pour que le prince de paix ou le roi de gloire fasse son entrée. Planisser le chemin. Jean-Baptiste était comme celui qui était devant pour permettre à ce que le Christ vienne. Comme l'éclairer. Mais on pensait que le Christ là qui va venir sera un grand Dieu. Il sera aux Anzamba, moi mon néné. Mais bizarrement, ils ont vu que. Et puis, c'est ça la folie de Dieu pour les hommes. Mais c'est la sagesse ou la grandeur de Dieu pour Dieu, pour nous, les chrétiens, que nous pouvons savoir dans cette vie. Dans le chemin, oui, comme il a moutonnios, oui, comme il a peut-être moutonnios, oui, comme il a peut-être maman moroto jeune, mon robe. Je me résiste à te dire que parfois, dans le chemin que nous sommes en train de penser, ils ont pu boum à bisoter. Ils ont juste pu éteindre les abissons, et ils ont les abissons, colingandambe, et puis comment on peut gérer notre destinée après. Très bien. Alors, le choix de faire la musique, par rapport à ça, il y a ma couleur, ma plaisir, tout qu'on sort. Ça donne l'image que le choix de faire la musique, c'est toujours difficile. Ouais. S'il faut encourager quelqu'un aujourd'hui, le choix de faire la musique, dès l'entrée de votre carrière, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était facile? Il y a eu ça la musique. Bon, pour mes parents, c'était pas facile. Parce que quand tu as un peu l'image de médecin. Bah médecin, juriste. Effectivement, je fais aussi le droit. Je fais aussi le droit à part la musique. Ok. Ouais, je suis dans le droit. Bon, le choix de faire la musique, je peux dire, moi, je n'ai pas choisi de faire la musique. Surtout comme moi, je n'ai pas choisi faire la musique. Mais juste que par la grâce de Dieu, moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. Ok. Il y avait des gens qui répétaient chez nous à l'église. On était juste deux voisins. Le président qui m'a vraiment donné le micro pour chanter. Alors, il venait deux fois chez nous. Il faisait des répétitions. Mais là, moi, j'étais là, je venais, je jouais deux fois la batterie. Bizarrement aussi, assez surprenant aussi, j'ai joué bien à la batterie. Après, à un moment donné, une fois, il m'a donné juste l'opportunité dans la répétition. Avant que la répétition commence, il m'a dit, est-ce que tu peux chanter? J'ai pris le micro, je commence à chanter. Il y a une chanson que j'ai oubliée. Kumamae, kolo yesue, kumama, kumamae, mananandambe, kumama. Je chantais après. Il m'a vu que je chantais, nabanobi mananotste. J'étais toujours là, je chantais vraiment correctement, sans orgame, sans demi-ton, mais sans piano. Mais je chantais normalement. Et puis il m'a dit, ah, tu as le talent, que tu peux aussi exercer ça. J'étais encore petit, je ne savais rien. Après, ils ont commencé à me prendre plutôt. Et j'ai commencé à travailler avec eux pendant un bon moment. C'est de là que tout a commencé. Et ce qui était aussi surprenant, que je n'avais pas de frousse. Okay. Devant les gens. Tout petit, mais j'arrivais au moins à me tenir devant des gens, devant de milliers de personnes pour chanter sans être frustré et sans avoir peur. C'est ça. Et à la maison, maman, papa. Ouais, ça a été toujours compliqué pour un parent de voir, surtout dans notre pays, de choisir comme un métier la musique, ça est.
Je me souviens encore une fois, mon père me disait, soit au point classe, soit au point musique. Si tu choisis la musique, moi je ne vais pas payer pour toi le frais. Si tu choisis les études, alors tu arrêtes la musique. Pour eux, ce n'était même pas de servir Dieu. Pour eux, servir Dieu, tu pars à l'église. Hein? Tu peux chanter à l'église, c'est fini. Tu rentres, on rentre, on part ensemble, hein? On rentre ensemble. Et qu'on t'invite quelque part. Parce qu'à un moment donné, chez nous, tellement qu'on a compris que c'est petit à la grâce, je t'ai devenu trop sollicité. Alors, on commençait à me solliciter, mais non, mes parents n'aimaient pas ça. Ils me disaient que je vais perdre l'allure d'aimer les études. Ils pensaient que je vais m'arrêter avec des études. Mais c'est par la grâce de Dieu. Ils n'étaient pas d'accord avec moi au début. Mais à un moment donné, Dieu les a montrés et Dieu les a parlé que c'était vraiment le chose que je devrais vraiment faire ou le chose que je suis né pour faire. Frère, je sais qu'à foutre. Non, 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 moi, curiosité, mon cœur. Oui. Le jour où tu as chanté devant les gens, première fois que tu chantes, et d'un jour où tu as eu conscience, il y a aussi la musique comme carrière, pas seulement carrière professionnelle, hein, donc toi, banana la carrière, c'est-à-dire au poney chez même robot musical, ou bien au tantagigara. Pour la première fois que je me tiens devant les gens pour chanter, et si c'était. Non, c'était pas ça. Moi, j'ai commencé à chanter, je crois que peut-être 2003 ou 4, je sais pas, 2003 peut-être. Mais à partir de 2013 ou 12, Denaouzou a conscience, Très bien. 2012 ou 13, Denaouzou a conscience que l'on a ça là, ils ont vu. Donc, comme on a conscience, il y a au gêné sans bâtir d'anga, ngamoko. Kepe na gêné, ma mope na kina sali retraite nanga, non mo ba penza mbeta no yemba, ma tu vas ça la toucher. Mais au départ, c'était pas ça. Au départ, je savais quand moi, petit mot, un enfant qui jouait seulement, arrête de jouer, viens, on va aller chanter. Moi, je jouais. En fait, j'ai pas eu trop le temps de. Il y a un salon le roi à Bamiké. J'étais toujours. Ah, qui parmi le roi n'était. C'était comme ça après. Et c'est le pigé na cola. Dans ma maturité, mon boyer, ça m'a aussi Ce aidé. que j'aime chez vous, c'est votre particularité, la musique. Donc, vous m'aimez même sur mon système, mon robot, tout reconnaîtra moi quand même. Parce que mon lelo, dans la musique gospel, tout ça, la rappelle, analyse, il y a apport et abatouté dans la musique. Ceux qui n'ont pas le monde, ils ont dit, ah, il y a un ça qui est le côté, il y a un piano, il y a une batterie. Mais la musique gospel, c'est comme chez Zalaté. Oh! Ils appellent un bateau et une génération, mais marabillo, mon beau pays, à la rater auparavant. Vraiment. S'il faut retourner là-bas, frère exaucé Kafout, aujourd'hui, vous voyez la particularité, hein? Tu chantes comme si tu parles. Et quand tu chantes, c'est comme si tu parlais devant la personne que tu es en train de chanter. Dernièrement, au lobby, il y a une société où il y a un scénario, bien que bête à lever les rideaux, nous allons bête à lever les rideaux. Maintenant, particularité, on a, quand tu étais encore jeune, au bando, tu n'allais pas. Ouais, souvent, on a de gens qui sont comme des modèles, je peux dire, au départ. Comme je dis, quand. Au moment où j'ai pris vraiment la conscience que je fais la musique et je dois faire quoi dans la musique? Je dois faire quel genre de la musique? Et c'est par là que la bande à ça, là, je m'en souviens, ils ont dit, moi, Tango et Tana, Poutouinda. Parce que, non, comment on le canal, le papé, Babylon, moi, boy, Neti, Nalou, moi, boy, par exemple, Nazwa, Natale la kaka yo yese. Natsango sko na tongo etana. E bandanga bongo. Ça a commencé comme ça. Bye bye apana yo yawe. Bazonga na zembo na esengo. Na yo kate yo wangana. Na yo kate yo bakisa. Mokile lobi nanga negatif. Kolo lobi nanga positif.
Naza na raison kota lela. Mais c'était pas la chanson de Yahweh, c'était la chanson Nathalie la Kakayo de papa Henri papa. Et c'est par là que Nakumo Zabama Lobanzi Mbwana na Changwawa. Et puis ça étonnait des gens. Du coup, ce que Nakumo le connaît, Kumo Zabama Lobayanga Moko. Et Nazo Kompe Kagaba Pasteur Henri, il était comme un modèle. Et je regardais, je me disais, ah, Balobandi, bon. On est là, on est annoncé. Normalement, c'est comme maloba. Il y a bandé mon sousou. Attends, on a bandé mon sousou. Et c'est par là que normalement, que maman peut être normalement samba là. On lisait aussi la Bible. On avait dans trop ngamoko. Je suis trop solitaire. Et j'observe beaucoup et je réfléchis beaucoup. Ce qui fait que normalement, dans la taille de l'homme, ouais. Et puis c'est une inspiration. C'était comme aujourd'hui, bizarrement, on me posait ma question. Donc, il y a des gens qui ont été Adam, lion, na combo na baron. Ce que tu as vendu à peu près, c'est que tu es un petit lion, tu es un petit lion, tu es un 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 éléphant, tu es un lion. Quand on dit il a nommé, c'est-à-dire après si combo, par rapport au fonctionnement, il y a un lion. Maintenant, ce que je me disais, j'étais en train de me poser encore des questions. Est-ce que vous avez lion? Vous avez un lion? Vous avez un lion? Vous avez un lion? Parce que nous, entre nous, nous avons un lion. Maintenant, est-ce que. Nous avons tout ce qu'on a dit à l'époque où nous avons un lion. 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 Aya kota na arche Noé. Cependant que beaucoup de gens baboya ki koya. Cependant que beaucoup bato ba réfléchissa baboya ki oya, mais bizarrement ba lion ba nani tu wana ba yo sa nini ba yo kota na rata arche Noé. Ce sont des questions par moment sur la fandi na comme réfléchir. Bon, juste pour dire que na réfléchissa trop. J'aime trop être seul avec des choses que je puis subir dans la vie. Il y a deux fois et colissant la façon et changeant plutôt façon à réfléchir. Et puis je peux dire à un moment donné on a remis au col à Nzambe cause à moi maturité à mon Nzambe dès comment ça là quand je prie ce que je reçois dans la prière au moment appelant que au Sambeli ou le moment où Nzambe on dirait. On dirait, eh mon père, nous avons ça, mais là, nous avons loupé, mais tiki n'anga moro, surtout que nous loupé, n'anga m'na loupé on, commence à l'en endem. Donc, par moment, je prie aussi mes prières, je chante aussi mes prières, je prie aussi mes chants. Très bien. Donc, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire, j'ai pris le temps pour travailler ça. Nous avons pas modèle, le pasteur Henri papa, pas modèle le rôle là-bas. Michel Bakenda. Donc, Nazius, pasteur à Toms. Très bien. Ouais, ils sont des gens qui aimaient beaucoup plus parler. Et quand ils chantaient, souvent il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi vous chantez que votre vie? Parfois vous chantez, moi je me dis, si vous regardez dans le psaume, David n'a pas chanté Batumusus. David a chanté sa vie. A chanté, a vécu. A yemba a biloko a vivre. Donc, c'est important par moment de ne pas. David a yemba. Et l'adoration, beaucoup plus nous devons vivre l'adoration dans l'actualité, c'est-à-dire c'est des choses qui sont inspirées par Dieu. Alors, Dieu n'inspire pas de choses où il est cas. Dieu inspire de choses où tu n'as pas naïe à l'élo. Très bien. C'est-à-dire chanter, c'est. Vous êtes en train aussi, en quelque sorte, témoigner le bienfait de Dieu, voilà, témoigner voilà. Sa grandeur. Non, on a tous un débit. Et là, on a une identité. On a le beau Nzambe, Bola Nzambe, na Kingasa, ni Bola Nzambe. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, je lui salue aussi en passant, la dame Clara, qui me suit aussi à la maison. Après ça, lobby, comment un frère José Goyemba, ils ont le miraclement boué parce que na contrairement à Zalaga c'était un peu difficile il y a vraiment
notamment pour à s'épanouir à comme il peut grand les lots quand on parle des frères exaucés qui a foutu par-ci par-là, oui. Mais Dieu lui a fait grâce, il est quand même notre fierté. Et moi je connais la façon d'où à l'équipe à un moment tout consomme, je suis quand même témoin de ses bienfaits et à voilà mon dame. Est-ce qu'on peut prendre ça d'abord la chanson Maman n'a pas été diplômée. Pour la moelle, on a kinga sani. Et me minga tina plateau. Pour la moelle, on a coupé. Et talité ma enzina zoto. Je me retrouvais loco la mobale à la moukina tongo. Ake mon sala antikimbongwa wenzete na poko. Na poko kouti moi salambi fufu na soso. Pa curiosita comme yon tune. Mbongo ye uteli wapi, eza lokola na lala kina butu, na pesa kimbongo akola muka ya lelo tengai, kasi nakoma na tongo, na zobika na bolamu abatu, na utina ngoyo na ebate, na obika na bolamu anzambe, ngayoyo, ngayoyo, ngayi na komona, bolamu anzambe, ngayi na kuzo simba, Lobo kwa Jezi, nazo mituna, soki tola muki na tongo, nazo monandeke, nandaku na ye, ezala kazala, soki toko misanka, azana montete, mazo bandolela, natuni soso, azala kanandaku, metangu mususu bachaka kutu, montete nandaku wa soso, menani arapela kasoso, kile katre, Pwa bando beta ko keriko, basusu bala muka, ye kwa somba ka montrete, na mona monena nzambe, na badeta ya mike mike, izo salake, nandima, soki aboti saka, bangulu bane bele san cesarien, azano mako kia kopesa moana, na mwaso yo azangi batrompe, bazolo bake, azaste, orile nzamba lola, que Dieu vous bénisse. Là, maintenant, le frère Michel, ouais. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette grâce? Voilà. Voilà, ça c'est quelque chose de bon. Alors, papa exaucé, c'est comme si tu as chanté votre témoignage, ouais. Dès le début de votre carrière au lobby, Nzambazio Musika. J'aimerais, moi je sais l'histoire, mais il y a quand même les gens qui nous suivent à la maison, pour aller un peu plus vite pendant quelques minutes seulement, votre rencontre avec les frères Michel Bakinda. Ouais, par la grâce de Dieu, moi je me dis souvent que c'était une rencontre de la destinée. Vous savez, c'était une rencontre où Dieu avait déjà prévu, c'était comme Jonathan et David. C'était vraiment dans le plan de Dieu. J'étais à la permanence vers Kasavubu. Je parcourais des moments difficiles. Et puis, c'était lors de mon examen d'état que je finis, parce que moi j'avais eu un peu de retard par rapport à ma étude d'Angaï. Dans ça l'examen, on a fini. Maintenant, il y a un homme de Dieu que j'aime, je le salue. Là, vous êtes, que Dieu vous bénisse, pasteur Joshua Luta. Après ça, il y a un numéro à pasteur Henri, papa, il y a un numéro, il y a un bien, il y a sympa, à répondre à Naé, peut-être nous avons un peu de temps, ou qu'il y église, Naé, tam sous son quoi, c'est Naé, plus tard. Ah, Nazion, Nandrouba, ça nous a dit. Donc, pour nous avoir un téléphone, nous avons un touche. Nous avons un appel normal. À un moment donné, Dieu m'a aidé. J'ai pris mon téléphone, mon Android, il y a WhatsApp. J'ai installé puis WhatsApp. Après, il y a Bengi. Nous avons commis la ligne. Bonjour, pasteur. Je suis exaucé, adorateur. À répondre, salut, exaucé, que Dieu te bénisse. Merci. Nous avons commis la ligne de la Iba Audio. Nous avons commis la ligne de la Iba. Je me disais, ah, n'abattu, belé. Mais yo gaga, ils m'ont pas répondu. Ah, merci beaucoup, félicitations. À un moment donné, je lui ai dit non, papa, j'ai besoin de faire Michel. Après, c'est compliqué de donner son numéro. Il faut aller d'abord demander sa permission. D'accord. Après, ça a un peu pris du temps, mais par la grâce de Dieu, on joue au caboué. Ah, non,
Natindelier. Ah, puis waouh. Ok, Bengi Frère Michel, le papa Michel a répondu. Et puis, ah non, j'aime, Yoki. Après, le frère Michel a réagi. Et puis, ça a pu passer un numéro dans ma piscine, numéro dans ma. Dans ma piscine, je parlais directement avec le frère Michel. Il m'a dit, non, je connais. Et puis, non, je suis venu de la part de papa Henri. Il m'a dit, ah, je sais déjà. Et il m'a demandé, tu veux travailler avec moi ou pas? Et où tu veux que je sois ton mentor? Non, si ça ne vous dérange pas d'être mon mentor, mais il m'a, lui-même m'a proposé. Il m'a dit, est-ce que tu sauras travailler avec moi? Je lui ai dit, pas de problème. Et c'est parti par là. C'était compliqué, surtout dans le groupe Naï, à recruter Agaté, à Zarana, nombre Moro Calé, il y a pas musicien. Et par la grâce de Dieu, je te permets de chanter au Yé, à Bengaba, qui s'est recruté. Donc, j'aime toujours le dire et je le dis souvent, c'est une rencontre miraculeuse. Et pour ma première fois qu'on s'est rencontré, à FCNA, moi, une semaine, mon père, j'ai décroché aussi mon diplôme d'État. Après, mon Kaka, tu es où, mon frère? Est-ce que vous le cater dans le studio Plastel? Ah, frère Michel m'a appelé. Bon, j'ai quitté de là où j'étais, je suis allé. Et du coup, voyez. Et là, on a été sur la test, tout à l'heure, on a dit, on a eu qu'un zembo, et bêta, probablement, non, qu'un dosa et l'homme, on a katuana. Et puis, on a koti, on a yemba. Et puis, on a yemba, on a eu kwanza, moutou, il était tellement touché. Et, bah, on a eu à partir de l'eurokoti groupe. Kaboye. Et puis, le lendemain, comme ça, on m'appelle, il y a un programme, il faut y a. Et puis, c'était lui-même qui m'écrivait, qui me donnait le programme. Il y avait le frère Yvan, à l'époque, qui était le chargé de prestations. Mais quand moi je suis rentré, c'était lui-même le président qui me donnait le programme. Après, par moment, type Baroko, quand tu as vraiment un groupe, et puis un groupe, on a un programme. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme alors, ça, si moi je le dis toujours chez Dieu. S'il faut parler de frère Michel aujourd'hui, il représente quoi chez vous? S'il faut parler de frère Michel aujourd'hui, pour moi, ouais, je peux dire quoi. Il représente beaucoup. Il représente comme une voix, comme une porte, et comme un canal que Dieu a utilisé. Comme une bénédiction pour moi. Très bien. Et il a été comme. Je sais pas. Il aurait fallu qu'un homme matanama pekanaï. Parce que pour y soit mon azaché, il fallait matalikolo anzete. Alors pour que le monde voie exaucé, il aurait fallu que je monte dans les épaules de quelqu'un qui était le frère Michel. Papa, je sais qu'à foutre. Déjà, comme il a eu, quand ça clique, il y a tout le monde qui a eu. Il y a eu un moment. Il y a eu un moment. Moi, je me dis souvent que c'est la nature des hommes. Non, c'est-à-dire quoi? Clique penat, tout le temps, on l'a habitué. Ouais. Parce que tu le bas qui est aux abats chrétiens. Ah, ok, ouais. Mais quand tu as un assiement, tu mets la habitué, par exemple, les banques, tout, bloom. C'est déjà comme au vivre, puis la clique, voilà. Oui. Il m'est arrivé comme ça. Et après? Il m'est arrivé de vivre avec des gens. Moi, je me dis souvent, mais l'homme, ça manque, il y a. Il vous a préparé. Mais c'est juste que quelqu'un n'a pas pris le temps avec Dieu. J'étais avec des gens, mes frères en Christ, mais beaucoup plus. Moi, au côté qui n'a au côté même la théologie. Mais si je vous dis aujourd'hui, il y a Bayana cigarette. Est-ce que démarche n'est pas d'abord? Si on a un clic, il va être bon. Est-ce que ne te dis pas que je sais qu'à foutre? Un clic, il va être bon. Au tika la tour au long. Ouais, je peux dire que, imaginons, bon, par exemple, prenons l'exemple que dans le cas où Bazer Bande Konanga, pas dans la famille, mais Bande Konanga, mon akoli, quand je suis venu, j'ai quitté de Kingasani, dans ma boucle, Batmo Bayamanga, mais ils étaient de chrétiens, mais pas totalement. Parce que Batabo, on a le Bazer, non, Tika Bango. Je vais être là, mais je vais. Ma mission, maintenant, ça sera quoi?
ce serait à faire comprendre à Bango que au bas ça là wana et malam te très bien. Oh, ouais, c'est ça vraiment tout ce qu'on a choqué wana. Je ne sais pas si Florent ou Kita peut nous aider, mais est-ce que tu peux regarder la caméra, c'est ça là-bas, quelques conseils que vous pouvez donner à parcourir à Frère Michel Bakenda sur le plan musical. Quelques conseils. Deux petits conseils seulement sur le plan musical, la carrière et à Frère Michel Bakenda. Ouais. Il est un peu pour moi, j'aime toujours l'appeler. Il n'aime pas qu'on l'appelle papa, mais il aime beaucoup plus qu'on l'appelle Yaya. Ouais, il sait bien que je l'aime beaucoup. Ouais, c'est un papa pour moi. Des conseils seulement. Je veux seulement deux conseils. Première, Eza, quand on a un zambo, on va dire que banda basilo, banda ba banda pour moi na yo, banda ba université na yo. Nzambo atangisio et le Dieu là, je me rase que te dire au kangamanae lissus kotika été. Et puis la deuxième que j'aimerais encore vous dire, garde toujours le bon cœur que vous avez pour plusieurs, et je crois que ça va encore vous bénir encore de plus. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, je dis un grand merci à mon vieux, l'honorable Patimou Benga qui nous suit à la maison. Merci beaucoup à ma maman, maman Mbia, et sans oublier mon ami que j'aime beaucoup, le président Émile Ilunga, que je te salue aussi. Question dans la guerre, démarche dans la boue. Tout fondera à Boué, la 2022, on a vu l'affiche. On a vu même des polos. Frère José Palati Polo. Frère Jim Basque, j'ai salé à Lati Polo. Frère Gracia, tout consort. Le 24 juillet de l'année 2023, Stade des Martyrs. Avec l'homme de Dieu, le frère Michel Bakenda. Mais silence mort au total et côté. Juin l'équi, j'ai l'équi, ni à ta roule bakenote, tu changes date, ni à ta nima. Je sais que tu fais partie de la Katia Group. Est-ce que na coulisse, vous changez date ou bien le projet c'est comment? Je suis sûr que avec l'organisation, parce que c'est toute une équipe qui travaille là-dessus, je suis avec l'organisation, peut-être ils vont revoir. Mais ce que nous savons que barre pour ça qui date. Très bien. Même barre sa date au moment important. Mais je crois qu'il y avait beaucoup de programmes qu'on devrait d'abord travailler là-dessus. Et puis ce qui peut-être n'a pas permis Marambaleta, Marambou, Mouibele, Isaac, ce sont des choses internes qu'on ne pouvait pas peut-être dire. Et puis ce qui n'a pas permis que le consort n'a joué. Peut-être, je crois que par la grâce de Dieu, peut-être 2024. Et rassurez-vous que à Thès, avec le frère Michel, nous serons au stade de Martyrs. Stade de Martyrs. Ah, nous sommes là. Donc, on a évité, bon, nous sommes là. Mais moi, je suis sûr et certain qu'avec les activités qui concernent Jésus, parce que je vis ça hier avec le pasteur, l'évangéliste Claude Kabounio, en tout cas, c'était formidable. Il y avait Bate Bele Bayambi Jésus, Bate Bele Miracle Salami. Donc c'était vraiment du waouh. Nous en sommes déjà vers la fin de cette émission. J'aimerais donner quelques programmes. C'est déjà pour ce samedi 19 août avec l'homme de Dieu, le frère Dieu merci à Tutuna, concert caricatif. C'est pour le samedi 19 août, l'espace B1. En tout cas, à Beng Sibisonyon, surtout soutenir Borfelin, Bano Bazo Lila, Baboti, Bakoufi, Lissungi, Zate, Osa vraiment Mouton Zamba Salingolou. N'hésitez pas, si tu as quelque chose à contribuer, appelez-nous sur notre numéro qui est affiché là-bas. Le concert, c'est pour le 19 août, espace B1 avec le frère Dieu merci à Tutuna. Sans oublier, Maman Godé, j'espère que le samedi prochain, si Dieu nous fait grâce, on sera avec elle sur ce plateau. Maman Godé Bondemba, le 27 août, avec une grande activité au Ezali, célébration à Tiki. Donc c'est juste un après-midi, dans un petit boulevard, côté à Yakoïtro, qui est la station. Tout
tour pour nous vraiment à l'ampleur. Célébration à Tiki avec Mama Godé Bondemba. Célébration Lissanga avec des hommes de Dieu, évangéliste Flori, Maman Véro Manyanga, Maman Enis Manyanga, le frère Emile, le frère Vanel. C'est déjà pour le samedi 27 août. Donc notez bien ce rendez-vous. La gloire de Dieu sera là. Je vous invite vraiment à participer à ces programmes. Et ce que nous allons d'abord commencer, c'est pour ce samedi 19 août avec le frère Dieu merci à Tutuna. Papa Kafout, nous sommes arrivés vraiment presque à la fin de cette émission. S'il faut boucler, par rapport à tout ce qui se passe, c'est-à-dire des martyrs, événements, gauche-droite, s'il faut conclure, que le vôtre pensée sur votre musique, ça sera aussi aujourd'hui comme tout le monde le fait, ou bien vous allez apporter quelque chose de plus par rapport à ce que vous êtes en train de vivre? Oui, moi, pour moi, je ne peux pas dire que... Non, mais la vidéo, il y a 6 cas, comme les autres disent. Ce qui est vrai, qu'on est censé apporter toujours un plus dans la musique, surtout beaucoup plus dans la musique. Mais pour le peuple de Dieu, or la musique, ils ont besoin de quelque chose qui touche. Qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez fait dans les âmes? Est-ce que vous avez gagné les âmes? Est-ce que vous avez transformé le vie de gens? J'aimerais juste dire, je prie et c'est parmi mes prières et que quand sera le bon moment pour se lancer vraiment officiellement. Je sais que c'est pas très loin, c'est à très bientôt là. Il y a un projet en téléchargement? Oui, il y a un projet aussi en téléchargement avec le frère Grasselo, quoi. Très bien. On a fait un chant, je vous jure que ça va vous bénir. Et puis, bientôt là, nous allons venir encore vous présenter officiellement. Et la chanson, c'est Tobandi Banda Bomwana. C'est une très très belle chanson avec de fortes paroles. Et je suis sûr que ça va vraiment vous bénir. Et peut-être par la grâce de Dieu, ça peut sortir dans 2 ou 1 mois. Mais on est en train de travailler sur ça et jusqu'au point que nous sentirons que c'est vraiment mûr, après nous allons les lancer. Voilà, quelques salutations et votre mot de la fin. Et Phénomène Stade, pour tout boucler, Phénomène Stade Alélo, voilà. Où trouvons-nous Phénomène Stade Alélo? Tout le monde veut jouer au stade de Martyr apparemment. Tout le monde. Je peux souvent dire, je te assure que... Pourquoi pas jouer? Je vais jouer. Et ils ont un objectif fini. Il y a plein. Ouais, en fait, c'est par là d'où vient le problème. Très bien. C'est comme hier, quand j'étais en train de marcher, le frère qui était à côté de moi, il me disait, « Ah, pasteur Kabondo, allez ça, il n'est pas bête à Martyr. Est-ce qu'on te dit ça? Hé, yo, ça, là, là, je suis ma frère, Nanyo, n'a pas frère qui gagne. Bon, tu vas bête à la, tu vas te bon, yé, pasteur, on coque, peut-être on a boutou. Et puis maintenant, j'entendais, 23h, presque 0h comme ça. Non, oui, mais on regarde TikTok, on a une statue. Plein. On a bien dit, l'objectif d'abord, ils ont plainté. Objectif, où ils ont important. Ils ont que même une âme ou deux, ils ont sauvé. Moi, je suis un peu plus que dans le stade de martyr, bêta. Peut-être pour chez sauvé, ce qui nous importe. Et c'est même aussi la raison qui nous détruit souvent dans la musique d'aujourd'hui. On veut faire de vie, papa Henri. On veut faire de 1 million de vies. Tout d'un musique, comme on le dit souvent, musique urbaine. Ils ont refond wama. Ils ont musique gospel. Ou y'a mon français, ils ont kati. Moi, bah, yeah, ils ont kati. Moi, bah, ils ont raconté. Tout tenir sous compte qu'il y a des âmes à sauver derrière nos musiques. Nous cherchons de vie, nous cherchons de l'argent, succès. Moi, on a un bandeau là-bas. Tout ça, dans le temps où il faut beaucoup plus de revoir, on a un zambé.
C'est parmi des choses que nous devons veiller. Prenons par exemple la chanson comme... il est hors de question que tu passes sans me toucher. Le frère Enoch. Les gens ne les connaissaient même pas. Du coup, pouf. Et puis, Tikali. Tout le monde a dit que Tikali, le roi de papa Alain Moloto. Très bien. Le roi de papa Franck. Tout le monde a dit que papa Franck a fait un concert. Mais il a dit que nous avons choqué dans l'église. Le roi de papa Mike Alambay. Le roi de papa Michel. Et non de penser à faire de vie. Le roi pasteur Moïse Mbille. Tu vas faire quoi? Est-ce que les âmes, est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? C'est ça qui nous tue parfois. Très bien. Quant à moi, vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Quelques salutations. Nabat Balandio. Je salue tout le monde, beaucoup plus le peuple de Dieu, l'église Emmanuel Rafa. J'ai béni Dieu pour mon père spirituel, le prophète Fulgence Koussou. Et je dis merci à papa Michel. Je le salue là où il est. Je dis merci beaucoup plus à ma maman. Pichuna, je dis merci à maman Wembakungu Marlene, que Dieu te bénisse maman là où tu es. Je dis merci à maman Enis Samba, que l'Éternel vous bénisse. Et je n'oublie pas, je dis merci à pasteur de la foi, merci papa d'être la bonne personne que vous êtes pour nous, que Dieu vous bénisse. Merci. Alors si aujourd'hui les gens ont besoin de vous, prestations, tout consort, votre numéro, si c'est possible. Ouais, notre numéro, c'est plus 243 89 85 33 080. Plus 243 89 85 33 080. Voilà, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est une bénédiction pour nous. Quant à moi, je dis vraiment un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois derrière la caméra mon ami Florent Okita. À la régie finale, je vois Monsieur Gelor Mouyad. Et je dis aussi un grand merci à Madame Rite, Maman Moya Boboto. Donc, Maman Moya Kansarabiso Mwamingi. Donc, il y a tout Béli, mais il y a Obando Kansugatan à téléphone. Ça fait quand même du bien. Je dis aussi un grand merci à mon église Silo. Là, j'invite tout le monde. Vous en essayez au Sambelate. Je t'invite demain matin à l'église Silo. Notre culte commence de 7h à 10h. Moi-même, je serai là et au cours de la paix invité Nangez à la bien. Ceci la commune de Kumonteke, précisément l'entrée Nzoko sur l'avenue numéro 10. J'invite tout le monde à participer à ces grands moments de prière, impartation et ainsi qu'adoration. Si Dieu nous accorde encore le souffle de vie, quant à moi, nous allons se retrouver ici les samedis sur le même plateau dans l'émission Temps précieux. Que Dieu vous bénisse. Valeria Moto Namisala Yab.